substitut de Bodenman. Attention à ce contre avec un homme qui vise la lucarne, c'est Pedretti. C'est l'attaquant jurassien, le transfuge du FC Vienne, qui peut lever le puck hors de portée du gardien Bolzhauser. Et les Zurich Lions, pour leur cinquième tir cadré, font mouche. Marco Pedretti, deuxième but cette saison. Bon, bah, je crois que celle-là, elle sera pour Cody Almond. Et puis c'est intéressant de voir que Justin Sigrist. Oh, Peterson, la déviation, c'est très bien vu. C'est Baltisberger, je crois. Chris Baltisberger. Noro Peterson Baltisberger. Très joli travail de la part des Zurichois. Et le box-play lausannois battu ce soir une première fois. Troisième but de la saison encaissé en infériorité numérique. Ah ouais, là, il n'y avait plus personne, hein. On était complètement hors de position. Et puis un homme qui arrive à s'infiltrer, c'est encore Pedretti qui va réussir le doublé. Marco Pedretti pour le doublé. Les arbitres vont quand même aller voir tout ça à la vidéo. La grande question là n'est pas de savoir qui est le dernier à avoir marqué, mais est-ce que Bolzhauser avait bloqué le puck sur cette image-là? Ça paraît compliqué à dire. Les arbitres ont tranché. C'est bien le but. Et les arbitres ont accordé la réussite. Qui trouve un coéquipier devant le but. Et c'est le 4-0. Signé Bodenman. C'est lui qui dévie ce tir. Il le dévie entre les jambières. Simon Bodenman. Déjà son troisième but cette saison. Et là, après 32 minutes et 50 secondes, moins d'une minute. Après le 3-0, on se dit que l'affaire est dans le sac. 10 secondes avant la sirène. Vic, le tir appuyé. Et c'est Bodenman qui parachève l'ouvrage. Déjà 4 buts pour Simon Bodenman. Non pas aujourd'hui, mais depuis le début du championnat. J'ai comme l'impression que c'est lui qui va porter le maillot de top scorer si ça continue. Il n'a pas encore d'assist. Il restait 6 secondes, 5-0.